c'est dit, bordel. La prise en sang de Chunga. Allez, touche. Là, il rage. C'est pas vivant. Ah non. Ok. Je dois me déplacer. Je dois me déplacer. Ok, hein. Je vais sur la position. On va les foutre tranquillement. Ah, on bouge pas. On va pas envoyer l'infanterie, puisqu'on a vu qu'ils avaient un truc qui pique un peu. Ok, on va rusher. On va rusher. Voilà, bim, le Panzer Shrek. C'est pas grave, c'est pas grave. Face avant, tu le sais que t'es plus fort en face avant.
invincible. Si mon pote. Mais si on peut faire un saut. Si tu es. Ce qu'il faut, c'est le baiser qui est là. Ça me fait rien partir de par cette blague. C'est vrai que j'appuie, je découvre en plus le gameplay avec les temps pour en redécouvrir ce temps que j'ai vu. Mais le niveau expert ça vaut le coup quand même. Hein. Putain. Je joue quand même sur du lourd. Ça, ça fait plaisir. Voilà, tu te remets juste un peu de paix. Là. Ok. Ok, là ils sortent du Greyhound. Juste pas photo quoi en fait. Hein. C'est du puma sur les armes. Sur du puma. Les gens, good like. On va pas se prendre la tête. Hein. Par contre, on va certainement pousser un peu. Ils sont où les amis? Pour qu'on améliore les. Ça, après on s'attaque au dernier shtouk. Ça pop bien ici. Le shtouk. Ah, ça va être un massacre, pas de pitié.
deuxième usager. On a nos ingénieurs qui feraient pas qu'ils restent là. On a pris la position. Ouais, comme ça on fait avancer notre front. Unité de mortier, ils sont mes autres ingénieurs. Hop. Là on a quel petit char. On devra avancer également un peu. Quelles sont mes coordonnées? Construction terminée. Plane sur les roulettes. Cette guerre va pas se gagner toute seule. On va aller en patrouille plutôt. Fusil prêt. Le dépôt de munitions. Cavalerie motorisée prête à passer à l'action. Sapeur prêt à l'action. Prêt. On y va, bougez-vous. Ok. Souvenez la mission, hein, c'est compris. Ici hein, que ça va se passer. Les autres ingés qui okay, sont en train d'arriver. On a besoin d'un emplacement de mitrailleuse à cet endroit. Il y a de la bagarre. Ok, regardez-moi. Non. Voilà, on va passer comme ça. Et là, on voit les mines qui sont là. Chef de char, le rapport, roulez. Message reçu. Calibre 30 pour les Boches. Voilà les gaz et chimiques. Faites gaffe où vous marchez. On dégage. Hé hey, les gars. Vite, sonnez-moi ça. On essuie des tirs. Fini de planter. Ça fait, on y va.
pas, ok. Prochaine zone ici, voir ce qui s'y passe. Ça on aura vraiment tout le secteur. Quelles sont mes coordonnées? Un cadeau calibre 30 pour les Boches. On attend que je les Boches. A priori, il n'y a rien là. Je change de position. Quelles sont mes coordonnées? Écoutez bien, les gars. Allez. À ce niveau-là. On bouge, en avant, donnez une bonne leçon. Il y a des mines. Allez, c'est parti. Allez. On bouge. Pas bon, pas bon, pas bon. Contre les murs. Ah bah non, mais tu l'es pas. L'officine ici. Avec
ça a l'air d'être bon. De l'impatience qui m'a tué, c'est l'impatience qui m'a tué. Fais-toi lui. On va se réparer tranquillement. Vous allez pouvoir repartir là. Non, ils sont morts encore. C'est mouillé puis il mine. Par contre ça, non non non, fais pas ça. On est passé. Maintenant, les actions de ce bâtiment, les angles sont
c'est chaud. Hein. Alors on a un point chaud, très très chaud. Allez. Il y aura de la mine, hein, certainement. Parfait.
Là, on est pas mal. Ils ont buté mes... Oh, sans déconner. Buté mes ingénieurs. Bon. Écoutez, on est pas mal quand même. Je pense qu'on est... pas mal. Sniper dans le secteur. Au cas où. Fusilier à vos ordres. Contrôle l'objectif. Mettez-moi de l'ordre, les gars. Ok. Section, écoutez. Ah, voilà un argument de poids. Ok, ok, ok. Bah écoutez. Ça me semble pas trop mal. Ici l'équipe de construction, on a terminé. En formation, chef. C'est parti. On va prendre le point. Puis on verra ce que ça donne, non ? Quelles sont mes coordonnées ? Sapeur, prêt au combat ! Occupez-vous de cet emplacement de mitrailleuse et vite ! Attends les ordres, chef. On entre et on s'abrite. Préparez-vous à la bataille. Soyons forts. On a pris et sécurisé le carrefour. Désormais, ceci est une route militaire. Aucun boche ne doit l'emprunter. Il va falloir la défendre, les gars. C'est bon, on contrôle la route. Red Bull, vous pouvez avancer. Red Bull. Bien reçu, Ebel. On se retrouve à Cherbourg. Objectif accompli. La route de Cherbourg sécurisée. Les premiers éléments du Red Bull Express arrivent. Le convoi se rassemblera ici avant de pousser vers Cherbourg. On doit protéger ces camions coûte que coûte. Ce convoi doit passer. C'est de la plus haute importance. Je sais que je peux compter sur vous. Vous avez entendu le capitaine ? Les Fritz doivent pas toucher au Red Bull Express. Exactement. Pour l'instant, pas trop d'activité. On va préparer des touches. Contrôle 1. Contrôle 2 qui sont des unités d'intervention rapide. Construction terminée. Comme sur les roulettes. On continue notre progression. Allez, on bien mes ingénieurs. Voilà. Équipe de construction. Ah, une zone morte ici quand même. Pas d'activité pour l'instant. Peut-être que le fait d'avoir pris tous les points me protège quand même pas mal. On bouge, on va
niveau avance, pas d'activité, très bien. Je pense qu'il n'y a plus de ressources pour appeler quoi que ce soit. Donc, ça c'est la bonne stratégie, parce que là je pense que si j'avais pas pris tous les points aux alentours, ça aurait été la misère. Donc là on n'a plus qu'à attendre que ça se valide. Ce qui est parfait. À l'abri d'une petite contre-attaque, mais j'y crois rien quand même, ce sera apparu avant. Bon, alors quelques grosses erreurs quand même. Ah, je pense que heureusement que c'était pas un joueur humain, sinon coupage de tête, voilà. Ouais, surtout sur la gestion des tanks. Bon, les mines ont été fatales. Un peu trop de confiance et de front face avec les canons. Ça c'est la mortadelle. Mais bon, une mission en expert quand même. Enfin, je trouve que l'IA est plutôt bien pensée avec un système de harcèlement assez violent et du fait de ressources limitées. Bah ouais, il faut bien faire son choix et avoir des troupes assez équilibrées au final. Alors on va pas. On va laisser passer les camions tranquillement. Ah, y'a pas de mine, hein. Ce serait con que ça pète sur une map. On se bouge le cul. On continue. Avec quoi? Bougez. Putain, y'a des Allemands. Oh, fuck ta mère! On s'en était con. Tout ça pour se faire baiser à la fin par trois pauvres chleux qui basent. Lieutenant, tout le monde est là. Ouvrons-nous un véhicule et en avant. À Guingamp. Hartung, c'est la retraite de nos amis allemands et il est pas content. Tout va bien, lieutenant. Ça va, Conti, vous inquiétez pas. On y va. Et oui, hein. La guerre qui n'était pas gagnée, heureusement que les soviétiques ont fait le taf. Parce que les Sherman américains ne tenaient clairement pas la distance face aux Jägerpanther de nos amis allemands. Où les Stuck, en fait, la puissance de feu allemande était considérablement supérieure à celle des américains. Mais le fait est que les pertes sur le front est, combinées également à la vague, à la marée humaine et matérielle desservie par les alliés sur la tête de pont de Normandie, ont fait que les Allemands se sont écroulés, même si la retraite a été plutôt bien faite. Ils ont mené une résistance très valeureuse, et encore une fois, leur équipement militaire était très très supérieur à celui des alliés. Seul le nombre et les forces combinées avec les soviétiques ont permis de défaire les Allemands et d'empêcher une contre-attaque qui aurait pu être dévastatrice, ma foi. Et bien, nous allons juste lancer la prochaine mission pour voir ce qui nous attend. Et puis, je pense qu'on se reverra bientôt pour la suite de ce playthrough consacré à compagnie. C'est un convoi prioritaire. Et pas qu'un peu. On a dû transporter 1 million de tonnes de matériel sur cette fichue route. Mais les Fritz n'étaient pas prêts à abandonner leur port-clé sans se battre. Et ils l'ont défendu. Cherbourg. La 9e et la 79e attaqueront par le sud. La 4e division de cavalerie les appuiera. L'assaut reposera sur les compagnies Able et Dog, qui attaqueront directement les quais principaux. Ce sera la partie la mieux défendue de la ville. La résistance y sera sûrement forte. Yavol.
mortier et les mitrailleuses sont plus efficaces quand utilisées ensemble. En effet, les mitrailleuses lourdes peuvent effectuer un tir de suppression, tandis que le mortier largue des obus sur l'infanterie victime du tir de suppression. Cherbourg. Qu'on envoie au casse-pipe. La ferme. Tu vas tous nous faire buter. Bonjour. Sniper. Mais écoutez, ça donne le ton de cette mission qui Cherbourg nous attend. Est encerclé. Ils le savent, on le sait, mais la division Bosch ne veut pas se rendre. L'USS Texas attend au large pour nous appuyer. Pour lui permettre d'approcher à portée de tir, on va devoir détruire la batterie côtière située ici. Ah bah oui. Mais avant, il faut qu'on prenne cette place pour que les gars du génie puissent établir une base d'opération avancée. Le régiment veut qu'on sécurise la place pour qu'on puisse y établir notre base. Ne perdons pas de temps. Eh bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Icala. Ouais. Allez, ciao ciao.